Santos 25 tiene la Virgen María demasiado lugar entre los católicos, 6MN. No están los católicos y los ortodoxos demasiado centrados en la Virgen María. Es una crítica, hay que reconocerlo, que proviene principalmente de los círculos protestantes y que es virulenta, especialmente entre los evangélicos. Il faut le reconnaître qui vient principalement des milieux protestants et qui est virulente en particulier chez les évangéliques qui eux accusent carrément les catholiques et les orthodoxes d'être un paganisme déguisé. Ça veut dire d'avoir repris des choses comme par exemple le culte d'Isis, d'Osiris chez les Égyptiens et de l'avoir christianisé. Les protestants ajoutent à cela la critique suivante en disant « Dans les Écritures, la place de Marie est très faible, très petite. » Et évidemment, à cela, les catholiques et les orthodoxes ont une réponse absolument puissante, à savoir que le Christ, sur la croix, dans son testament, l'une des dernières paroles qu'il a dites a été de donner aux disciples qui l'aimaient, donc manifestement qui symbolisent tous ses disciples, sa mère. Comme mère spirituelle, et le disciple, la ficienne. Alors les protestants répondent, mais il s'est juste occupé de sa mère. Les catholiques répondent, c'est une parole de Dieu. C'est évidemment pas que humain. Il s'est occupé de nous donner sa mère comme mère spirituelle. Alors qu'en est-il? Est-ce que les catholiques et les orthodoxes sont trop centrés dans leur dévotion sur la Vierge Marie? Alors, d'abord, quelques points de théologie. Il faut savoir que tout vient du Christ. Le Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. La Vierge Marie est sa mère, elle n'est qu'une humaine, il l'a choisie. Et parce qu'elle était toute soumise à Dieu, elle a eu la grâce de devenir la mère de Dieu dans sa naissance terrestre. Donc, c'est parce qu'elle est sainte qu'elle a porté le Messie. Ce n'est pas l'inverse, comme le dit Jésus. Mais tout vient du Christ. Maintenant, la rédemption faite par le Christ, en quoi consiste-t-elle? Est-ce qu'elle consiste à être centrée sur lui, Jésus-Christ, qui nous apporte vers le Père, et à l'adorer, simplement? Eh bien, la réponse est non. Jésus le dit textuellement. Ça, c'est évidemment une partie des choses, mais il dit qu'il y a deux commandements et ils sont semblables. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, donc ça c'est l'amour de Jésus. On est centré sur Dieu, fait homme. Et l'autre commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Que le Christ crée une église et que la première œuvre qu'il fait, lui qui a pris l'initiative de tout, c'est de nous centrer non seulement sur lui et par lui au Père, mais sur toute la famille du ciel, les saints, les anges, nos amis avec qui nous vivrons. Et pour lui, c'est tout un. Eh bien, sommes-nous centrés trop sur la Vierge Marie? Je répondrai ceci. Nous ne sommes pas, comme catholiques ou orthodoxes, centrés sur le Christ seul. Centrés sur la Vierge Marie seule. Nous sommes centrés sur l'union d'amour à cause du Christ à tous les habitants du ciel, mais aussi à tous nos frères de la terre. Il s'agit d'un amour envers une église, une famille. Tout est uni. Et donc, il y a deux façons de ne pas être catholique. Soit quand on exalte le Christ seul et qu'on oublie un peu le prochain, soit quand on exalte le prochain et qu'on oublie le Christ. Le premier cas, c'est ce qui s'est passé au XIXe siècle dans l'Église, très souvent. Et le deuxième cas, c'est ce qu'on voit après mai 68, où, à la rigueur, le Christ, bon ben c'est sympa, mais ce qui compte, c'est de faire du social. Les deux sont des erreurs. Et ce que montre le Concile Vatican II, c'est que les deux commandements en font un. Donc quel est le but de la vie chrétienne? C'est l'union d'amour de personnes humbles au Christ et à son prochain. Quant au Christ lui-même, pour bien le signifier, pour bien marquer sa place, la place qu'il veut, lui qui est le Dieu, eh bien, il met en avant la Vierge Marie, mais aussi tous ceux qui ont fait sa volonté, les saints, les anges. Il les met au-dessus de lui. Il le dit textuellement, Jésus. Il dit, si vous m'aimez, vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites, et même vous en ferez de plus grandes. C'est dans saint Jean. Pourquoi vous ferez de plus grandes œuvres? Parce que je vais vers mon Père. Tout simplement parce que la relation du Christ à son Père, c'est la même chose. Le Père ne cesse de mettre le Fils au-dessus de lui-même, et le Fils ne cesse de mettre le Père au-dessus de lui-même. Eh bien, cette relation dans la Trinité, où chacun exalte l'autre, le Christ, évidemment, la reproduit avec nous. Donc, c'est le Christ qui met sa mère en avant, qui nous la donne comme avocate, comme
co-rédemptrice, comme Porque voy a collaboratrice mi de notre Padre, salut, et simplemente évidemment, porque la on passe relación par de elle. Cristo con su Padre es la Alors, dans la misma, dévotion el des Padre chrétiens, nunca certains disent, deja mais de il poner passe al plus de Hijo temps por avec la Vierge encima de Marie sí qu'avec le mismo, Christ. y el Oui, Hijo parce nunca que deja il de est poner al maternel, Padre por c'est évident. encima de sí Donc, notre mismo. psychologie à nous, Pues bien, humains, eh esta bien, passe par la relación, maman, en la mais Trinidad donde le cada Christ uno et la Vierge exalta al Marie, ils otro, sont un. Cristo la reproduce Ainsi se obviamente con réalise cette nosotros. prophétie dès le Así début de que es Cristo l'Écriture, quien pone a su dans la madre en Genèse. primer lugar, que nos la da Dieu como créa l'homme à abogada, son como image, à son corredentora, image, como il les colaboradora en créa. nuestra salvación. Homme et femme, il Y les créa. obviamente Homme pasamos et por femme. ella. Donc, Así que c'est en le la Christ devoción de los uni à la Vierge cristianos, Marie algunos qui sont dicen, notre pero chemin si de salut. pasan más Le tiempo Christ con ne la veut pas Virgen être María seul. que con Évidemment, si on Cristo. veut que le Christ seul, Así comme le que sont en les nuestra protestants, psicología il sera humana, sauvé, mais pasamos por par la perfection, madre. c'est les deux. Pero Cristo Pourquoi? y la Parce que le Virgen Christ, María vrai son Dieu fait uno, homme, et la por Vierge lo que Marie, esta peut-être une profecía même, se sont tous les cumple deux ensemble, desde el image principio de la et qualité de escritura, père, en el qualité de Génesis. force, donc Dios creó al masculine, hombre et a su qualité de imagen y tendresse, d'humilité, semejanza, a donc su de type imagen y féminin. semejanza lo creó varón y mujer. Así que es Cristo unido a la Virgen María, que son nuestro camino de salvación. Cristo no quiere estar solo. Obviamente, si queremos solo a Cristo, como hacen los protestantes, nos salvaremos. Pero la perfección es ambas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo, verdadero Dios hecho hombre, y la Virgen María, pequeña humana, son a la vez imágenes de las cualidades del Padre, cualidad de fuerza, por tanto masculina, y cualidad de ternura, de humildad, por tanto de tipo femenino.